Chers tous, bonjour Cash, mercredi 25 septembre 2024. Je suis rentré hier de mes voyages, donc je suis parti de Mayumba, j'ai fait Chibanga, Ndende, Ndende, Mouila, Lambaréné. Je suis rentré dans la nuit hier soir. Ce matin, comme je l'ai promis, pour critiquer un livre, il faut le lire. Donc je suis venu à la maison de la presse pour acheter le livre du mégaphone de la cacophonie, M. Bilibinze, afin de mieux démontrer son imposture. Donc à l'intérieur de la maison de la presse. Savez-vous ce qu'on m'a dit? Il y avait seulement 65 exemplaires et les 65 exemplaires ont été achetés. Alors, donc on va avoir affaire à un livre qu'on vend au lance-pierre, à contre-goutte, comme ça. Donc là, je vais à l'ex Maïcha pour voir si le livre y est. Normalement, quand on est sérieux, on amène un bon stock. Je ne sais pas s'ils ont peur de payer la douane. Et vous, vous déposez le stock, si c'est 1000 ou 500 ou 200 ou 300 ou 1500, ici à la maison de la presse. Et nous, qui dénonçons son imposture, qui ne sommes pas d'accord avec lui, on va d'abord lire son livre et critiquer. Mais le livre, on ne le trouve pas. 65 exemplaires. C'est ce qu'on vient de me dire là à la maison de la presse, qu'ils ont déposé là. Entre ses parents, amis et connaissances, ceux qui étaient dans ses cabinets et ceux qui veulent lire comme moi pour mieux dénoncer qu'il est toujours dans le faux, qu'il parle pour parler, le livre n'y est plus. Vous voyez, non? Ça commence toujours comme ça. Quand on est dans le faux, à apporter des cartons de livres et déposer et on va acheter au lieu de nous faire balader parce que finalement, ça rejoint ce que je disais, la maison d'édition est introuvable. Donc, ici à la maison de la presse, seulement 65 exemplaires. Pour quelqu'un qui a été premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Culture, il a écrit un livre. Et le livre, c'est 65 exemplaires qu'il vient déposer. À votre avis, est-ce que c'est cash ça? C'est pas du tout cash. Bonne journée.